Bah moi j'ai de la chance parce que j'avais fait glacer l'autre fois et puis ça avait cartonné et là on a fait celle-là et puis ça. Donc j'ai de la chance, j'en fais pas tant que ça parce que je fais beaucoup de théâtre, alors j'ai pas forcément tout le temps. Mais quand là il y a eu le Covid, que j'ai pu dégager 3 mois et faire cette série, c'était super et j'ai vraiment des coups de bol, ça cartonne. Je pense qu'il faut jamais juger un personnage, il faut prendre les choses. Il y a de l'amour dans cette histoire en fait et c'est un couple. Il y a de l'amour, mais à un moment donné, l'amour peut être, s'il est trop absolu, peut amener à des catastrophes. Dans Lio 30 cercueils, il y a des acteurs fabuleux. Franchement, il y a beaucoup de chance de pouvoir faire une série comme ça, de grande qualité, dans des paysages magnifiques, donc on s'est régalé. J'ai la chance de pouvoir aller un peu dans des univers très différents, et ça c'est... Pour moi, je pense pas de façon hiérarchique à ces choses-là. C'est très complémentaire.